Aujourd'hui, une magnifique chasse aux œufs au parc du château, comme jamais nous l'avons connue. Les Surinoises et les Surinois étaient au rendez-vous. 2500 enfants, les parents, les grands-parents. C'est une journée magnifique et le soleil est avec nous. J'ai fait la chasse aux œufs, j'aime bien le chocolat, donc j'en mange. J'ai bien aimé les animaux, moi je suis très très animaux et j'ai bien aimé les sports. On a fait du basket en fauteuil roulant. Et on a eu le plaisir de rencontrer Jean-Paul qui nous a vendu cet article qui a inspiré d'anciens jouets. La chasse aux œufs cette année est un immense succès, mais au-delà de la chasse aux œufs, il y a aussi des tas d'ateliers qui ont été organisés, à la fois de danse, mais aussi de sport, et avec un focus particulier sur le handisport. Au moment où nous préparons les Jeux Olympiques, et notamment Paralympiques, c'est important de sensibiliser les plus jeunes, et c'était l'occasion à cette chasse aux œufs de pouvoir distribuer un certain nombre de places pour les JO, 40 places pour le foot et le rugby à 7. Toutes ces occasions qu'on essaie de créer à travers le sport, la culture, pour que les Surinois se rencontrent. On a mis notre petit bulletin dans l'urne, mais on a la chance d'être tiré, donc on va pouvoir aller voir du foot ou du rugby. C'est sympa, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des places pour les JO. J'ai gagné 3 places pour les JO. Je suis très contente.